Entrez. Pardon, madame, permettez-moi de me présenter. Un humble admirateur qui, par amour du lyrisme, de la poésie, sollicite... Ah, c'est vous. Ah oui, oui, c'est moi. Oui. Ah, mais je vous attendais. Ah, tiens, vous m'attendiez. Qui donc m'a parlé de vous, déjà? Ah, ben oui, qui ça? Oh, vous n'avez pas d'importance. Ah. Il paraît que vous avez beaucoup de talent. Oh, vous savez, je fais un petit peu de peinture à mes moments perdus, je... Oui, je suis très pressée, alors je vais vous demander de me chanter votre chanson tout de suite. Venez avec moi, on va se mettre au piano. Ah, alors vous voudriez que je me mette au piano? Eh ben oui. Oui. Et que je vous chante une chanson, quoi. Écoutez, vous êtes compositeur, oui ou non? Oh, mais oui, oh, mais ça, je suis compositeur, oui. Eh ben alors, chantez-moi votre chanson. Mais dites donc, c'est joli, ça, c'est de vous? Oui, oui, c'est de moi. Seulement, il y a un secret, n'est-ce pas? Il ne faut pas le répéter parce que... Motus. Il y a des chansons qui font un grand succès, c'est parce que la musique en est très populaire. Quand il me prend dans ses bras, quelque chose comme ça. Eh ben voilà. Il y a des chansons qui font un grand succès, c'est parce que les paroles ne sont pas ordinaires. Et sa gueule, ça madame. Tiens, bien, j'ai entendu ça quelque part. Il y a des chansons qui font un grand succès, c'est parce que l'interprète est extraordinaire. C'est presque toujours ça. Mais la mienne n'a pas tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour qu'elle soit jolie ma chanson, il faut avant tout être deux. Il y a bien sûr un garçon et une fille pour le rendre heureux. Si vous me prêtiez votre voix pour chanter avec moi cette chanson d'amour, mais elle n'a rien d'original, c'est tout à fait normal qu'elle rime avec toujours. Je regrette pour la chanson, mais il y manque un je ne sais quoi. Et vous pourrez dire au gars que cette chanson n'est pas pour moi. Je vois bien ce qu'il vous faut, un porc et un matelot, des bagarres dans un bar, rien que des trucs sinistres. Un pauvre type que l'on pend, des gens qui parlent haut, un monsieur distingué, un accordéoniste. J'ai même entendu dire, c'est par grand fantaisiste, que vous chantiez un clown. Eh bien bravo pour le clown. Ah, mais dites-donc, vous m'engueulez. Je vous demande pardon, je me suis laissé un petit peu aller, là. Alors, vous pensez que votre chanson est pour moi? Oui. Eh bien, écoutez, rechantez-la, moi. Pour qu'elle soit jolie, ma chanson, il faut avant tout être deux. Il y a, bien sûr, un garçon et une fille pour le rendre heureux. Prêtez-moi votre voix pour chanter avec moi cette chanson d'amour. Mais elle n'a rien d'original, tout qu'on fait c'est pas mal, qu'elle rime avec toujours. Elle est donc jolie la chanson, car je la chante malgré moi. Non, ça va faire un drôle de boom, votre chanson, vous savez. Ah oui? Eh bien, justement, à propos de boom, est-ce que vous connaissez les parfums boom? Ah oui, depuis tout à l'heure, parce qu'on m'en a offert un flacon. Seulement, je ne sais pas s'il est très bon. Tenez, prêtez-moi votre mouchoir. Oh, mais surtout, ne le débouchez pas. Mais pourquoi? Eh bien, parce que ce n'est pas un parfum du soir, non, non. Vous croyez? Vous auriez une mauvaise impression et peut-être même mal à la tête. Vous êtes pas un petit peu bizarre, vous, non? Dites-moi, est-ce que vous pourriez me prêter le flacon un petit instant? Pourquoi, vous êtes prestidigitateur? Oh, non, mais c'est pour un jeu de scène, là, pour la chanson. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien? Ben, dites, vous oubliez l'air. Et tout ce que nous avons à faire avant de prendre l'avion. Ah, ben, vous arrivez bien. Je sais pas si c'est vous qui m'avez envoyé ce toit-là, il est complètement cinglé. Ah, mais vous savez que j'ai pas terminé. Mais non, mais non, je voudrais encore vous montrer quelque chose. Non, mais pas ce soir, je suis fatiguée. Mais écoutez, mais le flacon... Ah, oh, ne bousculez pas, ça peut être dangereux. Mais oui, mais le flacon! Flac ou pas flac, partez! Oui, en tous les cas, madame, hein, pour le flac... Oui, oui, c'est ça, ça va. Au revoir.
Il est complètement cinglé, ce gars-là.